Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment renommer vos clés USB afin de les retrouver facilement lorsque vous en avez plusieurs de branchées en même temps sur votre ordinateur. Pour cela, ouvrez votre explorateur de fichiers. Ma clé USB est branchée, elle s'appelle Kingston. Le problème, j'ai plusieurs clés USB qui ont le même nom et lorsqu'elles sont toutes branchées en même temps, il est compliqué de s'y retrouver dans toutes ces clés. Pour cela, il vous suffit de faire un clic droit sur votre clé. Tout en bas, vous trouvez « Renommée » et vous pouvez lui indiquer un nouveau nom. Par exemple, je vais l'appeler « Clé court ». Et je valide avec la touche entrée du clavier. Maintenant, ma clé USB s'intitulera clé court. Si je ferme l'explorateur de fichiers, si j'ouvre de nouveau cet explorateur de fichiers, vous voyez que clé court est toujours pris en compte et sur la colonne de gauche, c'est bien le même nom qui apparaît. Si je clique dessus, il n'y a aucun changement qui a été apporté à ma clé, juste son nom qui a été modifié. Je retourne sur ce PC. Vous avez une autre possibilité pour modifier ce nom. Ça va être de faire un clic droit dessus et d'aller sur Propriétés. Au niveau de Propriétés, vous avez ici cet encadré qui va vous permettre de modifier le nom de votre clé. Par exemple, je vais l'appeler Court. Nat, vous êtes limité en termes de caractères si je veux écrire Nathalie en toutes lettres. Vous avez ce boing qui vous indique que vous avez dépassé le nombre de caractères. Vous avez d'autres informations sur cette fenêtre propriété. Vous avez notamment l'espace utilisé et l'espace libre. Donc moi, c'est une clé de 16 gigas. Je vois que j'ai 12,3 gigas d'occupé, il me reste 2 gigas de disponible. Vu que j'ai apporté des modifications, je fais appliquer et OK. Petit rappel, si vous souhaitez déconnecter cette clé, il vous suffit d'aller à ce niveau-là dans votre zone de notification. Vous avez une petite flèche qui va vers le haut. Si je clique dessus, j'affiche les icônes cachées. Et vous voyez que vous avez ce petit symbole avec une clé USB. Il faut cliquer dessus pour pouvoir éjecter votre clé. Si vous souhaitez limiter le nombre de manipulations, je reclique sur cette petite flèche qui va vers le haut. Cette icône, je vais pouvoir l'afficher tout le temps pour éviter d'avoir à cliquer sur la flèche. Je clique dessus, je reste appuyé et je la glisse pour la positionner par exemple entre le réseau Wi-Fi et le son. Maintenant, cette icône sera toujours là. Pour pouvoir éjecter ma clé sans risque, je vais cliquer dessus et je vais éjecter Data Traveler. Et là, vous remarquez que le nom de ma clé apparaît en dessous. Donc, si vous aviez plusieurs clés branchées en même temps, alors moi, je ne peux pas brancher plusieurs clés en même temps parce que tous mes ports USB sont occupés, mais vous les trouveriez à ce niveau-là. Donc, je fais éjecter Data Traveler. Ma clé n'apparaît plus dans les périphériques et lecteurs. Si j'ai besoin de retravailler dessus, il faut que je la rebranche. Nous en avons terminé sur le fait de renommer vos clés USB. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Prenez bien soin de vous. Et à bientôt.